On va pouvoir vous expliquer les conditions de la RES. C'est une RES Diversity avec Kane. Kane qui a des stats relativement améliorées au niveau attaque, niveau vitesse. Par contre, au niveau portée, c'est un peu réduit. Et niveau vie, c'est un peu réduit aussi puisqu'il n'y a que deux cœurs rouges. Ouais, et c'est une run en Diversity. Diversity, ça veut dire qu'ils commenceront avec le même pool d'objets. Et ce pool sera composé de 3 objets passifs, un objet actif, ainsi qu'un trinket qu'ils auront peu importe, qu'ils auront pendant toute la run, qui sera un trinket passif. Et ensuite, ce sera une run jusqu'au Blue Baby. Donc du classique. Et on a fait le tour, il me semble. Voilà, exactement. Et du coup, c'est bien parti. Bah voilà, ouais. La race va commencer dans 10 secondes. Et ça y est, alors, Ramos Brain. Et alors, il commence avec le Void, le Halo, et Bob's Brain. Et Bob's Brain. Et le Trinket, on s'en fout un petit peu, finalement. Bible Tract, c'est juste pour avoir de la foi en plus. La manette déconne. C'est ça. Ouais, la manette déconne. Et du coup, Malfrid commence avec Magic Mush qui va voir dans sa Curse Room. Voilà, il explose le Zidane. Et Malfrid qui a fait pause par solidarité. Alors, qu'est-ce qui se passe hein? Moi j'ai du buffer chez Sac. Ouais, j'ai du buffer aussi. Ah, y a un petit problème là. Ouais, non, maintenant j'ai plus de buffer chez Sac, il a 32 secondes. Si maintenant il y a du buffer, il n'y a plus de stream là. Ouais, c'est carrément déco. Ouais. C'est déco. Ouais, Sac a un problème. Donc unmute Malfrid. Voilà, on va démute Malfrid. Allô Malfrid ? Oui. Oui. Ouais, j'ai mis pause hein, parce que le stream il a planté. En plus, j'ai entendu que vous disiez qu'il avait un problème de manette, je sais pas trop quoi. Ouais. Donc à 23h28, la manette déconne. Ouais. À 23h, ah là il reparle des os. Ah là là, des os. Où ça? C'est revenu. C'est revenu. Dans son chat. Ah, dans son chat. Ouais, mais il passe au clavier. Non, mais... Ah là 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 là. Tu me dis si on relance hein, parce que. Bah moi j'essaie d'appuyer sur lecture de son côté, mais pour l'instant son stream il est pas démarré, donc je sais pas et puis là. On n'est pas obligé de redémarrer, mais... Bah du coup, il faudra créer une autre race. Et soit on recommence une nouvelle race, soit on recommence celle-là en perdant un peu de temps, mais avec un démarrage un peu bizarre, quand même. Je sais pas. Est-ce qu'il est encore dans la race du Racing Plus? Bah, il a pas... Oui, il a pas disparu de la race. Je sais pas. Alors, que je regarde dans le Racing Plus, si jamais il est là, en tout temps. Non, à 23h29, il a left the race. Ouais, il est pas là, je vois pas sur les utilisateurs en ligne. Ah, il était déco à 29. Ah, il vient de se connecter à 31. Il vient de se connecter. Voilà. Et de rejoindre la race, du coup. Mais ce serait bien qu'il nous parle dans le chat, mais dans le mien. Oui, dans le chat de Malfrid, pas dans le chat où il y a Ref qui fait chier en permanence. Ah, oui. Et bonjour. Oui, bonjour. Désolé. Ah, incroyable. En train de refresh. Ça y est, j'ai refresh. Qu'est-ce qu'on fait? On relance ou quoi? Mieux vaut relancer une race. Il a pas de timer en plus de son côté. Ouais, ça va être le bordel. Mais il a pas les objets non plus. Bah non, pour le coup là, non. Ah il si, a si, si, il a 4 cœurs, donc si, là, il...
Mais il a les objets, mais il a pas de timer, il a rien, et son timer il va être décalé. On va relancer parce que sinon ça va être trop chiant. Oui, oui, j'ai vu, Christophe, merci. On va la relancer, sac. Ah, c'est recréé. Alors c'est bon. T'as l'air d'être prêt. Voilà, il s'est mis prêt, machin. Bon, je vous laisse. Et puis on va démarrer dans pas longtemps là, du coup. Ok. Ok. Allez, c'est à être parti. Voilà, j'ai mieux Tumulfrit, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et du coup, on va refaire la race. Une autre race cette fois avec d'autres objets. Activables, d'autres objets passifs et d'autres trinkets en starter, en diversity avec Kane. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez vu la théorie juste avant, maintenant c'est la pratique. Finalement. Et la race va démarrer, ça y est. Alors avec quoi ils vont commencer c'est tout de suite. Le fanny pack HP up avec un trinket qu'ils auront en plus. Voilà, donc c'est pas forcément dégueu, on va dire. Ça, et Apple coup, et Cricket Set chez Molfried. Ouais, il va commencer Cricket Set. Le Ventricle Razor qui servira très certainement, Molfried a décidé de reset. Oui, il avait utilisé son D6 dans le vent, du coup il a reset. Et il a Propto. Il a Propto, mais là il faudrait une bombe. Il va faire des salles afin de trouver Propto. Et de son côté, Stack décide de commencer Monstrous Lang. Ouais. Merde! Faute du côté de chez Molfried, il a pris la tic. Mais c'est pas forcément grave, il pouvait prendre aussi Propto. C'est juste dommage quoi, même. Ouais, mais il a envie de garder le trinket, hein, à part un trinket vraiment fort. Style Crack Crown ou Curve Dorn, ils ne prendront rien. Clairement. Et du coup, encore des resets. Le premier boss de sac qui sera un Ragman sur noir. Et un HP up, voilà. Et attention, pas de cœur bleu pour protéger les Devil Deal, cependant. Il aurait pu prendre le cœur noir, sac. Oui, il aurait pu, oui. En plaçant le Ventricle Razor pour qu'il soit encore dans les frames d'invulnérabilité. Non, juste, même avec des flammes, il se prenait juste à demi dégâts, et puis voilà, il aurait pu prendre le cœur noir. Et de son côté, ça reset toujours du côté de chez Molfried. Ah, là, il y a la Cracked Crown. La Cracked Crown, il y a Jacob's Ladder. Il va chercher une bombe. Il va chercher une bombe, clairement, pour partir. Alors, Monstrous Lung, c'est bien, Monstrous Lung, mais. Enfin, non, au début, justement, c'est pas excellent. Mais ça peut devenir très, très bon avec du Tears Up, avec Death Touch. Death Touch, ce serait vraiment très bien. Qui arrive devant son boss, c'est qu'il ne sait pas. Et qui se fait. Qui s'est fait toucher, ça lui a donné une clé dorée qui ne servira vraiment plus à rien à cet étage. Et ça y est, Molfried a trouvé une bombe. Il va commencer Jacob's Ladder avec une Cracked Crown. Ouais. Et un Jacob's Ladder avec déjà du Tears Up, un bon Tears. Sac a préféré redémarrer puisqu'il s'est fait toucher, qu'il a vu que son monstre n'allait pas forcément aller loin. Et de ce fait, reset de Sac, qui est quand même allé plus loin que Molfried jusque-là. Oui, deuxième boss pour Sac. Alors que Molfried arrive devant son premier boss, oui. La Crackron a un trinket qui lui permet d'augmenter toutes ses stats. Alors qu'un double shot a été reset chez Sac. C'est dommage. Non, là je pense que Sac va miser le gros lot au niveau du starter. Sachant que ce qu'on n'a pas dit, c'est que des starters disparaissaient en diversity. Eh oui! En effet, il n'y a plus de top 5, de couteaux, les top 4.
Top 3, voilà quoi. Ouais. Il n'y aura plus de, d'Epic Fetus, pas de couteau, pas de Tekkix en starter. Ils peuvent le trouver plus tard. Mais il paye 4 reset. Et là, tout de suite, on se demande pourquoi. Et sachant qu'ils peuvent en trouver d'autres. Alors, on ne les a pas vus depuis le début. Hein. Mais ils peuvent trouver Sacred Art, Incubus et la Crone. Crone of Light. Ouais. Donc, mais là, parmi ces nouveaux starters, dirons-nous, bien le meilleur reste évidemment Sacred Art. Quoique au début, oui, ça peut être long, parce que ça tire assez lentement, c'est turming, mais niveau dégâts, ça tabasse mieux. Alors, c'est peut-être une question très con, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de chercher, vu qu'ils ont un trinket gratos, de chercher la Broken Remote dès le début? Maintenant qu'ils sont partis tous les deux. Parce qu'ils ont quand même le ventricule razor. Bah, vu la chose, oui, ça pourrait être une stratégie viable, mais si jamais ils ont que la Broken Remote, mais sans un bon dégât de base ou quoi que ce soit d'autre, c'est ballsy, mais sans plus quoi. Ouais, mais tu peux te dire avec le D6, je vais quand même avoir un build machin. Enfin, bref. Voir. Ça, ouais, mais avec le D6, tu fais pas les sales avec le. Enfin bref. De toute façon, ils sont partis tous les deux, donc cette strat ne marche plus. Malfred qui a trouvé le parasite. Déjà 5 minutes. Et parasite excellent, hein, parce que les limbes vont se split et du coup, il y aura du Jacob's Ladder Malfred qui backdash. Il backtrack pour essayer de trouver une pièce en plus. Ouais, il doit avoir trouvé quelque chose dans son shop. La pièce est là. Voilà. Et la pièce sera pour acheter probablement Jar of Lies et Krampus du côté de chez Sack. Ouais, Krampus, c'est dommage. Hein. C'est vraiment nouvelle, dommage. Mais par contre, pour Sack, c'est bizarre que l'item tracteur de cœur de Sack ne soit pas visible d'une certaine il manière. Il a pris Lump of Coal. Donc du coup, je ne sais pas quel objet il aurait pu avoir, un Sack. Ben ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, concentre-toi sur la race sac, t'en fais pas. Alors, Malfrid qui a acheté la Jar of Flies, qui trouve une Judas Shadow. Et reroll du Cacamonicon pour le Move the Void, pour ça que il va se suicider, mais pas tout de suite, parce qu'il y a un cœur. Il va utiliser une bombe, et voilà. Et récupérer le cœur bleu dans le Devil Deal. Et se barrer. Et de ce fait, bah, Malfrid, la build qui tabasse bien du bon tier rate. Il est et en Isaac Tears pour Sack. Ouais, là, c'est pas terrible. Trop en perspective. Oui, bah, encore de Tears Up pour Malfrid avec Eden's Blessing. Ouais, là, c'est excellent. Là, c'est excellent. Là, c'est très très bien. Son Jacob Zadder, il va tabasser. Son Jacob Zadder va tabasser et surtout vu son trinket qu'il va avoir va très très bien tabasser puisque les mouches sont capées avec les dégâts du perso, donc ça va faire très mal. Ouais, et 17 de dégâts pour Malfrid. Et la ribambelle de mouche, ben voilà, Rag Mega, puis en 2 secondes, et en plus encore du Tears Up pour bon, il est déjà les sub Tears Max, il y a 4. Ouais, la Crackrun qui fait un tir délai, qui fait un 1 de tir délai en fait, elle fait pas du Tears Up, elle fait du tir délai. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est à 4, Malfrid, alors que normalement, on ne peut pas passer en dessous de 5. Et de ce fait, bah, Malfrid, en plus, il trouve très vite son boss de Death Swan. Et de son côté, Sack a cassé le cul de Big Horn en Cave Swan. Malfrid a décidé de prendre l'île Brimstone, qui, honnêtement, ne va plus servir à rien. Ah oui, il a pris le Lump of Coal, parce qu'avec son Tech 5, ça peut être bien. Oui, et maintenant, il y a des salles à l'envers. Ça doit être depuis le dernier booster pack. Il y a des salles à l'envers et c'est très gênant. Ouais, c'est juste très gênant. Ça déconcentre un petit peu, mais sans plus. Quoi. Si tu sais où se trouve la porte, c'est bon. Moi, je trouve ça très perturbant, perso. Oui, après, on a tellement acquis d'automatisme sur les anciens layouts que c'est normal de ne pas savoir bien se repérer. C'est pas un booster pack, c'est Zamiel. Oui, c'est Zamiel qui a fait ça uniquement pour les races dans le client du Racing Plus. Mais sinon,
Parce que même en speedrun, maintenant, il y est. Donc, j'étais vraiment content la dernière fois. Et Mofrid qui récupère quand même des cœurs noirs de temps en temps grâce à son mob de Void. Ouais, ça marche bien, ça marche bien. Son build, il est excellent. Il a récupéré un incubus. Bah voilà, le pied de maman qui s'est fait déquiller en deux. Allez, le brume, un petit vaisselle qui va lui foutre le vol. Alors que ça qu'enchaîne les boss à la con avec un... C'est dommage, le Magic Mush dans le boss rush, mais c'est pas grave. Et du coup, et un envy, hein, évidemment. On continue avec les salles nulles. Et du coup, bah, ça qui a fait un bon usage de son Ventricle Razor. Ouais, il voit une salle nulle, il se casse. Malfrid se fait toucher, attention, 3 cœurs et demi tout de même. Il faut faire attention. Tout n'est pas terminé. Il peut encore se passer un accident. Même si ça paraît très difficile avec le build, hein, tout de même. Oui, ça va être un peu compromis. Et Sack, il est en Deps 1. Ouais, il vient de tuer Ragmega, donc il est en Deps 1. Ouais. Ah oui, Evilai, Mofrid a pris Evilai, l'erreur avec Jacob Zleder. Mais oui. Puisque, quand l'œil va se détacher d'Evilai, eh bien l'œil va également générer du Jacob Zleder, des éclairs de Jacob Zleder. Sauf que ceux-là, s'ils vous touchent, ces éclairs, eh bien ils vous font des dégâts. Donc Mofrid pourrait prendre des dégâts à cause d'Evilai et de cet œil qui se détachera. Effectivement, je l'ai pas vu. Et une empereur chez Mofrid. Ouais. Une empereur chez Mofrid trouvée dans sa première salle de Womb 2. Mais Mofrid doit faire quand même très très gaffe avec son Evil Eye, apparemment. Et le boss. Le boss pour Sack. Qui va garder son Locust, évidemment. Et un Fallen. Il faut un bon objet et il aura soit une Angel Room, soit un Devil Deal Sack à l'issue de Fallen. Maw of the Void. Très très bien. Et que va lui donner son Angel Room? Il va bomber. Il va faire un Angel Room. Il va espérer avoir un The Mind. Et Lump of Call qui ne fait pas. Par contre, Lump of Call avec Maw of the Void, c'est la tristitude. Alors que va-t-il faire? Ah non, plus maintenant. The Wafer et Katie Cross. Bah, 3 cartes chez Mofrid. S'en fout, il faut garder la carte de l'amour des Emperor. Évidemment, il faut garder l'Empereur. Il cherchait peut-être un Hierophant ou quelque chose pour se remettre. Oui, parce que là, il ne reste plus que 2 cœurs noirs ennemis. It Lives n'aura pas vécu longtemps, évidemment. Ça fait très mal. Et Krampus. Et là, un dégât du Jacob Zleder. Non, il faut prendre la clé après. Ouais, là, la clé a été prise avant. Et pourquoi il a pas reroll son sa tête de Krampus? Oui, il aurait pu reroll, prendre la clé et re-reroll si ça lui plaisait pas. Oui. Et encore des salles à l'envers par rapport à d'habitude, alors que ça avance dans son Deps 2. Et comme on l'a vu dans son combat contre Krampus, et il s'est fait toucher à cause du dégât du Evil Eye. Ouais. Ouais, The Soul et Wafer pour ça. Ça veut dire que de toute façon, il ne prendra qu'un demi-cœur de dégâts, même en Womb. Par contre, une Mom Rouge, il n'a pas de dégâts. Hein. Il n'y a pas de dégâts chez Sack. Non, ça va prendre un peu de temps. Et du côté de chez Mofrid, ça y est, il est en train d'affronter Isaac. Ouais. Alors, la bonne nouvelle, son Empty Vessel est activé. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que son Empty Vessel ne sera pas activé. Dead Eye, c'est très bien. Lusty Blood, il n'a pas décidé de reroll. Ses autres augures, on ne sait jamais. Il aura le Polaroid de toute façon. Il y a un cœur bleu qui est tombé. Et de ce fait, Isaac, Blue Baby s'est fait démonter le cul. Ça va. Mais une petite frayeur, il termine quand même à un demi-cœur. Ah, The Soul et Wafer, je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Mofrid a gagné la race.
Et ça, quoi, qui n'avait pas une super run quand même. Non. Malheureusement. Allez, on va démute Mulfried. Allô. Allô. Allô, allô. Oui. Bon, j'avoue, les Villas, c'était pas la meilleure idée du monde. Non. C'était pas la meilleure idée du monde, mais alors le build derrière. Ah, oh, le build derrière, il était effectivement ce build. le build. Ah, c'était violent, hein. Plus l'empereur. Ah, hein, c'est un la peu, fête, ouais. Hein. L'empereur, c'est la fête. Putain, je trouve des empereurs, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Ouais, merci. Ah là là. Ah, oh, j'ai tellement fait d'erreurs sur les starts et tout ça. En plus, j'ai fait de n'importe quoi. Ah ouais, il y en a eu trois. Hein, ouais. Ça voulait que tu voulais en finir absolument, que tu voulais le troisième coûte que coûte pour aller plus vite. Mais j'ai fait un peu n'importe quoi sur mes starts. Puis bon, quand j'ai vu Croc Crown et Jacob Zadder, je me suis dit, oh, c'est quand même super fort les deux ensemble, je trouve. Ouais, parce que le tir délai de la Croc Crown. Plus tes dégâts, hein, ça donne un peu de dégâts en plus. Et ensuite, la suite, bon, bah... Puis la suite, elle était monstrueuse. La suite, elle était monstrueuse. La Jar of Flies, hein, que j'ai fait exprès d'acheter. Hein, il me manquait une pièce pour la prendre. Ah non, ouais. c'était pas tout à fait valable. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai backdash pour récupérer une pièce. Hein. Par contre, les Velay... Ouais, les Velay, franchement, j'aurais pas dû. C'était une erreur. C'était une vraie... Parce que du coup, ça t'a fait... J'ai dû perdre deux avec Evelyne. J'en ai perdu un sur Krampus et un à un autre endroit. Pour ça, après, je me suis un peu méfié. J'ai moins bourré les tirs. Ouais, sur Isaac, ouais, pendant qu'il était en train de faire ses halos de lumière. J'ai un peu moins bourré les tirs pour éviter ça. Sur le Blue Baby, bah, j'ai bourré. Me disait que ça passerait plus vite que ça, d'ailleurs. Il y a le cœur bleu qui tombe, heureusement. Heureusement. Sinon, parce que il y a un niveau-là qui a fait aussi son œuvre. Voilà, donc... Heureusement qu'il y a eu le cœur bleu, sinon il aurait fallu que je joue un peu plus serré. Bon, on aurait vu. Je sais pas. Je sais pas trop. Et du côté de chez Sac, bah, il y a eu un Tech 5, et puis après... c'est tout. Ouais. C'est à peu près tout. Il y a eu le Move the Void qui est venu à Depth Run. Il a accéléré les choses. Il a eu le Wafer et the Soul aussi, donc... Avec des objets défensifs. Ouais. Mais il n'y avait pas de quoi aller vite quoi. Avant le Move of the Void. Les objets défensifs c'est bien, mais en speedrun c'est dommage. Hein. Voilà. Et puis il a eu quand même dans son chest, la tête de Mega Satan. Et dans son chest quand même, ça va. Ah, il y a la tête de Mega Satan pour tout accélérer. Ah oui, forcément avec l'homme pauvre cool en plus. la tête de Mega Satan avec l'homme pauvre cool. Ouais, j'ai pas reroll la Krampus Sun, mais j'étais un peu dans l'optique d'aller vite en fait. Donc je vais pas, je zappais un peu.